Bernard, un des spécialistes des vaches, des reins en Val d'Ost. Il y a combien de vaches en Val d'Ost? En Val d'Ost, il y a entre élèves et vaches laitières portantes, il y a 15 000 têtes de bétail. En Valais, combien? 30 000, le double. Et en France? À peu près 1000. Voilà. Mais vous dites que Val d'Ost, par habitant, il y en a plus chez vous par habitant? Non, non, on ne fait pas des jaloux, c'est le même. On a 15 000 pour 130 000 habitants, et ils en ont 30 000 pour 250 000 habitants. Absolument. Donc on est sur le même pied, vraiment. La passion est la même en Val d'Ost, en Valais et en Savoie? C'est la même passion pour la vache? Tout à fait, parce que on est ici, on est des gens du terroir. Donc on est né avec cette passion, avec cette vache qui, si bien elle administre notre territoire, elle est la jardinière de notre nature. Et nous, on est par force et par reconnaissance, on est ses plus grands amis. Il n'y a rien de plus beau que l'amitié d'un animal. Ça n'a pas de sous-entendu. Elle y est ou bien elle n'y est pas. Et nous, on l'a, l'amitié avec cette vache. Et les frontières n'existent pas entre les amoureux des vaches du Valais, de la Savoie et du Val d'Ost? Pas du tout. L'homme, et en l'occurrence nos services vétérinaires, lui ont affiché aussi des cartes d'identité. Mais elles sont tellement égales, elles ne tiennent pas compte de ça, qu'on estime qu'on a dans les mains un même et précieux patrimoine. Le Mont Blanc, c'est le point commun. Les montagnes rapprochent finalement. Toujours, elles ont toujours rapproché les montagnes. C'est des États qui ont essayé de nous diviser. Mais c'est plus fort que l'instinct, est plus fort que le réel. Ce qu'on a décidé de nous diviser nous a toujours rapprochés et continue de nous rapprocher. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les Valaisans, les Savoyards et les Valdotins ont un point commun, on peut le dire. Le point commun, c'est cette vache, entre autres. La langue aussi, les traditions, les coutumes, tout est en commun. Tout en commun. On a, et c'est pas peu, on a 1000 ans d'histoire en commun. Il y a 150 ans qu'on est un peu séparés, chacun a fait un peu son chemin, mais dans ces occasions-là, on se retrouve et on est conscient qu'on parle tous la même langue. En l'occurrence, le français, mais la langue du cœur, c'est l'écosystème. C'est l'écosystème. Ces frontières, finalement, elles représentent peu de choses pour vous. Elles sont plutôt ennuyantes que rassurantes, finalement. Pas du tout. Je voudrais vous dire qu'une des activités condamnées par les lois et que nous avons toujours protéger, toute la population toujours protégée, c'est la contrebande. Les contrebandiers, même hors la loi, ils étaient considérés des grands hommes. Les contrebandiers abolissaient les frontières, finalement, voilà, et rapprochaient des gens qui sont cousins, qui sont presque frères, on peut le dire. Oui, avec le même pays, les mêmes nécessités, le même point de vue, et donc la même façon de vivre, de concevoir la vie. Aujourd'hui, il y a la vache qui nous rassemble. Qu'est-ce qui peut nous rassembler demain encore, entre le Val d'Ost, le Valais et la Savoie? Mais l'amour, la vache, ça passe par là, l'amour du pays, l'amour de son... Le pauvre pays a toujours reçu en contrepartie l'affection de ses habitants. Plus on est pauvre, plus on est attaché à son territoire. Ça qui nous ramène. Maintenant, il y a le tourisme, mais quand même, la vie difficile de la montagne nous accommune. Finalement, Val d'Autun, Valaisan, Savoyard, c'est un seul peuple, finalement. Depuis les Romains, ça a toujours été un seul peuple, oui. Et ça continuera, j'espère, pendant des siècles et des siècles, d'être un seul peuple. Vous souhaitez qu'on se rapproche encore plus, finalement? Tout à fait, oui, tout à fait. Aussi parce que on a une catégorie de gens attachés à la nature, qui ont besoin de se réunir pour se dire les uns aux autres que leur combat n'est pas vain et se dire les uns aux autres que leurs valeurs sont communes. Ça renforce les valeurs de chacun de nous. Merci beaucoup. Merci Bernard. Merci beaucoup.